les cupcakes, je vous reprends pour une vidéo face cam. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous faire un What's in my bag, mais version du coup 2024 et toujours version de l'honnêteté. J'ai vraiment pas vérifié ce qu'il y a dans mon sac. C'est mon sac à main à l'heure actuelle est un gros sac à dos parce que j'aime bien foutre tout et n'importe quoi, comme j'aime bien me trimballer à droite à gauche. En régional, il y a plein de choses dedans. Et j'ai pas trié du tout avant, donc je ne sais pas ce qu'on va retrouver dedans. Et je me suis dit que c'était super drôle parce que l'année dernière, je vous avais filmé ça avec mon sac Hello Kitty qui était déjà bien rempli. Et vous aviez plutôt bien aimé la vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors j'aurais pu me mettre dans le décor YouTube parce que oui, j'ai un décor normalement de l'autre côté du box, mais j'avais pas envie. J'ai envie d'être dans mon lit et j'aime trop ce plaid zèbre, donc autant qu'on le voit. Ouais, j'ai pas d'excuse mieux que ça. Bah écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Du coup, c'est parti pour ce What's in my bag édition 2024. Let's go. On commence par la petite poche peut-être, parce que c'est là où il est censé y avoir le moins de trucs. Dans cette petite poche, je sors tout d'un coup. Bah, ok. Ça n'a vraiment aucun putain de sens. Alors déjà, je pense qu'il y a un mouchoir qu'il faut que je jette. Hein. On a une petite crème, un sérum hydratant pour le visage et le contour des yeux de chez Yves Rocher. Un truc de capsule. En général, je garde des trucs de capsule comme ça pour faire des bracelets ou des trucs pour mettre dans ma chambre. J'ai des idées de déco et je voulais faire un petit top comme ça. Je sais que ça serait désagréable, mais pour être par-dessus, genre pour des photos. Et je ne l'ai pas fait, mais du coup, je garde des pots de ça. Donc en général, quand je bois une canette, j'essaie de les garder. Il y a mon petit strap Hello Kitty que j'ai dû enlever de mon téléphone et que j'ai laissé dans mon sac. Du sérum Fi. J'ai toujours du sérum Fi dans mon sac. Ça, c'est hyper pratique, surtout quand je mets des lentilles et tout. Un petit gel hydroalcoolique, là on en a un à la pêche, et un paquet de mouchoirs, donc jusque là rien de bien alarmant. On a juste ces trucs là qui vont pas dedans, on va en profiter, ça me fait ranger mon sac au passage. Hein. Et là on va s'attaquer du coup au gros du gros, parce que il est lourd déjà, c'est pas bon signe. Alors là il est pas aussi lourd. Waouh, c'est le bordel. Il y a une autre petite pochette dedans, et du coup cette petite pochette là elle contient tout simplement... Je dis tout simplement alors qu'il y a 25 trucs dedans. Ouais d'accord, ok. C'était peut-être pas une bonne explication tout simplement. Il y a un rouleau de PQ plat, mais parce que j'aime bien avoir toujours du papier toilette sur moi. Et des salades hygiéniques. À la base c'est la poche pour ça. Il y a également... Ah bah ils sont là. Je les ai cherchés partout. Une boîte avec des petits piercings de rechange. Donc là on a des septums principalement. Et... Range pas, je cherchais mon anneau de nostrile argent et j'ai vu qu'il n'y était pas. Bref, le piercing que j'avais emmené chez ma mère. Donc ça, je vais les mettre là pour ranger dans la boîte à piercing. Ensuite, on a une clé comme ça avec un porte-clé Rick et Morty. Donc ça, c'est la clé de chat. Pour faire... Enfin, en gros, j'ai mon verrou de chambre et tout. Il y a plusieurs clés. Et du coup, bah, je l'en ai mis avec son porte-clé juste pour qu'il ait l'utilité de son porte-clé. Du coup, ça va pas du tout dans mon sac. Ça va dans son armoire. Hop, il y a le chargeur de mon casque que j'ai cherché également, que j'ai pas trouvé. Ensuite on a une serviette, un ticket de caisse, pas fou non plus. Le ticket de caisse on n'a pas besoin, je m'en suis déjà servi, c'est mes tickets où j'ai déjà fait mes comptes. Ensuite on a mon porte-monnaie avec mon porte-monnaie, enfin pardon, du coup on a mon portefeuille exactement, voilà, mon papa qui me l'a offert, je l'adore celui-ci. Et chat et moi évidemment, voilà. Et ça c'est mon porte-monnaie du coup avec la monnaie, c'est une tomate. On a ce petit porte-masque de chez Little Twin Star, pardon, cadeau de mon papa. Non, c'est pour les masques hydroalcooliques. Moi, j'ai mis des masques masques. C'était ce Noël qu'on n'a même pas fait avec sœur. Et dedans, j'ai des petits dessins de mes enfants aussi. Qui m'ont fait plein de dessins. Hein. Je les trie. Et de l'autre côté, je crois j'ai des ordonnances. Voilà, que comme ça, je les ai sur moi tout le temps dans mon sac. Et ça, je trouve ça trop mignon, je l'aime trop. C'est trop un bon cadeau en fait. Je savais même pas que ça existait, mais c'est trop cool. Une pince, elle n'a rien à faire là. Normalement, elle est dans ma chambre parce qu'en fait, j'alterne entre une pince et les chouchous en ce moment. Mon petit agenda. Je vous l'avais déjà montré. En gros, c'est le petit agenda où j'ai écrit un peu toute ma life. Tu vois, je fais des photos, je colle des petits trucs un petit peu à droite, à gauche, you know. Petite photo. Là. J'ai collé tout à l'heure, il y a Thésée qui m'a dessiné moi et à côté chat. Je cache, il y a son prénom.
Voilà, ils nous avaient dessiné tous les deux pour qu'on colle ensemble. C'était des petites invitations. Du coup, je les ai collées ensemble parce qu'ils voulaient qu'on se tienne la main. Je trouve ça trop mignon. Je montre à chat, elle est bien, c'est trop mignon, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà, j'aime bien garder quand ils font des petits dessins comme ça qui me touchent beaucoup. Bah, je les garde et là, j'en les colle là. J'en ai mis aussi dans ma chambre parce que pour la Saint-Valentin, ils m'ont dessiné chat et moi. Ils ont fait les petites dreads de chat et tout, c'est trop mignon. Un cochon en plastique. Bien évidemment, Pépé. On emmène Pépé partout. Ah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, Pépé a son compte Instagram avec son frère Georges. Et du coup, bah, la sœur, elle a Georges avec elle. Donc, elle fait aussi des photos et elle m'envoie. Et on remplit le compte Instagram de Pépé, Georges. Donc, si vous voulez savoir un petit peu l'actualité de Pépé et de Georges, un petit peu ce qu'ils font et où ils voyagent, let's go les suivre sur Instagram, sur Pépé et Georges. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai le chargeur de ma Switch. Je vous dis ou pas que ce sac à main n'avait aucun sens. Ça, c'est mon carnet. Ouais, j'ai beaucoup de trucs Hello Kitty et de carnet. Hein. C'est mon carnet à liste de courses. C'est-à-dire, vraiment, je rajoute mes listes de courses chaque mois, tu vois. C'est tout. C'est vraiment juste ça. Voilà, ça, c'est la liste de courses de ce mois-ci. Et aussi, des fois, je m'en sers pour noter des trucs. Là, il y a marqué Dodi Monster. C'est Julien qui m'a dit de l'écouter de cette musique. Donc, c'est fait. Et bah, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, franchement, c'est sympa. J'ai des autocollants d'étiquettes. Une gourde d'eau. Ça, par contre, c'est normal. Toujours, ça pèse un peu mais c'est pratique. Et en plus ça c'était le cadeau d'une abonnée, franchement. Elle est trop belle et je l'emmène partout. Hop. Ah, elle est un peu subie mais j'ai une barre de céréales, chocolat au lait, banane. Comme je fais souvent des malaises et tout, c'est pratique d'avoir toujours une petite barre sur moi. Je vais mettre dans la petite poche. Hop. Ça c'est une trousse fourre-tout. J'ai une trousse qui est vraiment extrêmement abîmée, je l'avais acheté pour la fac. Et dedans nous avons un attache sac à main. En gros tu mets ça sur une borne de table et ça te fait un crochet pour ton sac à main. C'était un cadeau du papa de Paul avec une pin-up. J'ai un cadenas avec une clé, ça c'était pour la salle si je dis pas de bêtises, quand j'allais au sport. Ah, à l'époque je faisais du sport. J'ai une boîte à lentilles sans rien dedans. Yep. Vu que j'ai du sérum FI, temporairement, quand vous enlevez vos lentilles, ça fait ça, et un peu de sérum FI, vous pouvez les mettre dedans le temps de rentrer, les mettre dans la solution à lentilles. J'ai un mémo sur les calories. Pas ouf, mais je l'ai toujours eu sur moi et je l'ai, je sais pas, c'est un truc un peu rassurant. Il me reste des chewing-gums, parfum framboise pêche, comme ça, et des petits trucs à la, comme ça, bonbons, sucre, fruits d'été. Ça goûte la pastèque. J'ai un petit briquet Bic, comme ça. On l'a trouvé par terre au festif là et il fonctionne bien donc on l'a gardé. Ensuite j'ai... J'arrive jamais à l'ouvrir. Putain de merde. Enfin t'es tombé malade. J'ai une boîte My Little Pony en gros. Dedans il y a de la lamaline, des doliprane, des Xanax, un élastique pour les cheveux, deux cure-dents. Des petites lingettes pour nettoyer les lunettes, des pansements, du sérum FI, un thermomètre, bref, une petite trousse de soins comme beaucoup de personnes ont. Bon, je sais pas si tout le monde a du Xanax dans son sac, mais t'as capté ce que je voulais dire. Là. Parce que du coup, je me suis dit que j'allais remettre le sérum FI avec. Ensuite. Je sais pas si je vais la refermer. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Il y a un peu comme ça, parce que c'est un peu la... J'ai remis le câble dedans? Non, j'ai un autre câble de chargeur. Encore une petite pochette. Des papiers vides, encore, voilà. Un élastique. Enfin, un chouchou scrunchy. Une petite crème pour les mains que mon soeur m'a offert, qui sent très bon, qui est trop cool, qui vient de chez Action, pour ceux qui veulent. Des écouteurs. Du thé à la menthe. J'adore le thé à la menthe. Ma carte de membre Valège. Et de l'autre côté, je sais même pas si ça fonctionne encore. C'est l'ancienne carte de chez Valège. Ou c'est la carte fidélité que tout le monde a. Je sais pas. Voilà. Une boîte à lunettes avec la petite lingette. Au cas où que je voulais enlever pour pas les jeter dans mon sac comme je faisais avant.
c'est le bordel là-dedans, les gars. Un stylo 4 couleurs, un autre sac de thé, une petite bague en cœur que j'ai cherché partout, qui est juste là en fait. Un jeton Brico Dépôt. Ça, c'est ma boîte. Oh, c'était Calypso qui m'a offert cette boîte. Où il y a des feuilles à rouler et des filtres. J'ai ma place de cinéma pour Wonka, je vais la ranger là. Je voulais la garder. Hop, des papiers, des emballages. Un petit gloss, un autre petit gloss, mais avec deux côtés de chez Kiko, un côté transparent, un côté coloré. Un autre 4 couleurs, ça c'est vraiment mon 4 couleurs du sac à main. Il y a une petite barrette. Des gros lots calés sur mes petits trucs de reine de Noël. Un pompon qui est sur un des chaussons que ma maman m'a cousu, donc il faut que je le recolle avec. Enfin, je les recouse dessus, du coup ce sera mieux que de les coller. Et là, maman on a fini. Yay. C'était le bordel ce sac en fait. Ben voilà, c'est l'inventaire de mon sac à main. Je sais pas s'il manque des trucs, je pense qu'il manque des trucs en vrai. Mais voilà, c'est mon sac, c'est à peu près ce que j'emporte à peu près partout tout le temps. Bien évidemment, quand je vais chez quelqu'un, je rajoute des choses adaptées à la situation. Genre quand je vais chez le tatan, je vais rajouter un petit gâteau sucré en plus, une petite boisson sucrée. Il y a souvent une Monster non entamée aussi quand je sors. Ça arrive, on va pas se mentir. Ouais, non, je sais pas ce qui manque dans mon sac. Je dirais qu'il y a quand même tout ce qu'il faut. Ouais, je pense qu'il y a tout là. Je vous ai montré ça de manière assez honnête, je pense. J'avais une petite brosse avant, mais je l'ai plus. Un miroir aussi, peut-être. C'est peut-être tout ce qui manque dans mon sac en vrai. Mais j'ai vu des miroirs sur Vinted en forme de cœur à paillettes avec d'idoles et tout. Ils sont trop beaux, des petits miroirs d'idoles. Je veux ça ou un miroir Hello Kitty pour mettre dans mon sac à main. Et voilà quoi. Soyons pipou jusqu'au bout. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous aura plu. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vos incontournables dans votre sac à main. Genre qu'est-ce que vous mettez tout le temps dans vos sacs. Et surtout genre le truc le plus bizarre que vous mettez dans votre sac à main. Ça c'est super drôle. Moi je sais pas ce que c'est le truc le plus bizarre. Est-ce que ce serait pas pépeux? Parce que quel adulte de 28 ans emmène pépeux dans son sac à main? Ça, soit le fait que j'ai des masques dans un truc à masque, mais pas les mêmes genres de masques qu'il faut dans un truc à masque. Ou mon porte-monnaie tomate. Bref, n'hésitez pas à me dire ce qui est le plus bizarre dans votre sac à main, ce qui est incontournable. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On s'approche des 500 et c'est mon objectif et j'ai trop hâte d'y arriver. Je vous remercie à tous de me suivre pour tous ceux qui me suivent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes.